Eh bien, salut à tous, c'est Raven 2800 pour ce tournoi. Et c'est parti, je direct débuter le tournoi. On a eu un petit souci avant, hein, je sais pas pourquoi, quelqu'un... comment je pourrais dire, enfin, je sais pas si ça venait de moi, mais bon, en tout cas, on a eu un énorme problème sur le tournoi. Donc bon, j'espère que... Voilà, on attend juste Aero Gamers, si tu veux bien te... Si tu veux bien commencer. Donc on a eu un petit souci, je mettrai peut-être ça... en bonus, j'en sais rien. Bref, on a voulu commencer. Bon, ça, c'était longuet déjà, les temps de chargement. Et puis... et puis, je sais pas, tout le monde a été un peu déco, ma foi. Non, là, ça a l'air d'être un peu mieux déjà. Alors, j'ai pris l'idée de plein de gens. Alors, je prends Naruto. Voilà, maintenant, j'ai plein de choses à dire et voilà. Donc je prends Naruto avec Kakashi. Et Sai, ça reste l'équipe Kakashi, on est d'accord. Donc voilà. Et donc j'ai pris l'idée de pas mal de gens. Et il y en a qui ont oublié de me le donner. Et forcément je peux pas deviner votre idée les amis hein. Donc ceux qui n'ont pas pu participer à ce tournoi, qu'ils me donnent leurs idées en commentaire, en message ou n'importe où, que, en disant bien qui c'est. C'est tel pseudo, telle idée. Alors c'est parti. Hop, une fois, deux fois, trois fois. Est-ce que ça suffira? Allez, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Trois fois, ça me paraît clairement bon. Donc c'est parti pour le tournoi de Raven 2800. Et on commence tout de suite les hostilités. Bas Yusuf 93 contre Ratchet Thomas. C'est parti. Un combat Sasuke. Un combat de Sasuke. Alors attention. Donc c'est parti, ils choisissent la map, ils se débrouillent. Donc, et ben voilà, on va pouvoir y aller. Donc alors là, voyons voir un peu, oh là là, et de superbes équipes. Je pensais que ça allait être les mêmes équipes et tout, non même pas. Ils ont chacun eu leur petite modification, leur petit truc, ou leur petite préférence tout simplement. Alors c'est parti en avant. Attention, oh là là, qui va attaquer le premier, oh là, ça commence fort. Je sais même pas qui est qui par contre, alors là ça va être assez dur à commenter pour moi. Je sais pas qui est qui, honnêtement. Voyons, on va regarder par rapport à la vie. D'accord. Donc je vois qui est boss Yusuf 93. Yusuf. Et c'est parti. Donc attention. Oh là là, fou, la technique ultime, mais qui ne passe pas. Ratchet Thomas qui a déjà deux permutes de niquer. Mais oula! Et bim! Voilà, Ratchet Thomas qui lui montre que c'est quand même un bon adversaire. Attention, et une deuxième. Attention au spam. Non, je dis pas que c'est du spam. Mais attention. Donc c'est parti, on continue. Attention, oh là, il y a Naruto. Son Rasengan qui est passé complètement à côté. Et il y a Sakura. Ah bah non, oulala, Sakura, rien n'est passé. Oula, Ratchet Thomas qui refait une troisième fois cette attaque. Attention, ça pourrait devenir du spam. Attention, moi je le dis. Donc là, le Anton, hein, bien sûr. Extraordinaire attaque. Je dirais une attaque, mais en même temps une défense. Hein. C'est un truc de fou, comme c'est nappe. Donc attention. Et bah Ratchet Thomas qui prend l'avantage. Qui prend clairement l'avantage dans ce combat. Oh là là, mais il prend un vrai avantage, hein, même avec ses soutiens. Boss Yusuf ne sait plus quoi faire, attention. Il ne faut pas désespérer. Ah, il n'a plus de permute. Il a plus trop de vie. Alors attention. Attention, là c'est maintenant ou jamais. Et oh, la technique ultime. Et bim, KO! Ratchet Thomas remporte ce premier combat du tournoi de Raven 2800. Voilà. Et bien voilà, je ne laisserai personne me gêner. C'est cette phrase qui va faire en sorte qu'il va avancer à la prochaine étape de ce tournoi. Mais quand même, bien joué à boss Yusuf, qui, je garde ton pseudo de côté pour un peut-être deuxième tournoi. Mais normalement il y en aura un deuxième. Mais au cas où, je garde, soit toujours disponible. Voilà, c'est tout ce que j'allais te dire. Maintenant, on va aller au deuxième. Deuxième. Ouh, attention, le deuxième combat. Excusez mes piètres qualités de commentateur, mais quand vous avez deux clones qui se battent, c'est pas évident de dire qui attaque qui, quoi. Surtout quand ça se permute dans tous les sens. Donc Ratchet Thomas qui avance. Et là maintenant on a Darblast contre Mania Kaboom. Darblast qui est un excellent adversaire. Espérons que Mania Kaboom saura faire face à ce,
Pour moi, c'est le favori. Pour moi, Darblast est clairement le favori de ce tournoi. Mais attention, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et c'est ça qui est bon dans un tournoi. Alors, c'est parti. Darblast contre Maniacaboo. Alors, nous avons en soutien... d'accord. Ouh, on a un Pain. On a un Pain pour Maniacaboo. Mais attention. J'aurais aimé que ce soit des équipes qui se tiennent. Parce que, bon, Naruto, Pain, Minato, ça fait un peu bizarre. Mais bon. Ma foi. Voyons. De toute façon, contre Darblast, moi je dis, ça va être un combat absolument rythmé. Alors attention, oh là, le Rasengan! Le Rasengan de Minato! Oh là là, oh là là. Oh putain. Shugetsuki, vraiment. Putain, je comprends pas comment on peut être bon avec ce personnage, puisque moi je n'arrive pas du tout à le contrôler, à le maîtriser. Darblast qui n'a plus qu'une permute, pareil pour Maniacaboo. Maniacaboo qui a perdu un peu de vie quand même, mais bon, c'est le début du combat, rien n'est fait. Oh là là, le dragon à queue! Le dragon à queue! Voilà, Kizame qui va aussi, qui va nous faire un petit requin. Oh, sur Minato. Oh, sur Minato, dommage. Attention, et paye le Shinra Tensei qui est haut, qui n'a rien fait sur Darblast. Bien joué, Darblast. Darblast qui, comme vous pouvez le voir, ne fonce pas bêtement sur l'adversaire. Qui va, je dirais tout doucement, par tâtonnement, il tâte un petit peu pour voir si peut-être, je sais pas, l'adversaire va... Enfin, je sais pas, c'est sa technique à lui. Et ma foi, je trouve que pour l'instant, ça marche pas trop mal. Voilà, il se protège bien. Il y va quand même vachement doucement et c'est ça qui est pas mal. Et Kizame. Putain, oh là là. Eh, hey, y a pas tant de permutes que ça, attention. Oh là là, attention. Oh. Putain, on a les épéistes du côté de Darblast. Du côté de Maniacaboo, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. En termes d'équipe, oula, attention. Et bim. Darblast clairement qui montre qu'il est au-dessus. Mais Maniacaboo qui résiste bien avec ce Rasengan sorti de nulle part. Et ce... Oh là là. Oh, le mode éveil. Maniacaboo n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Oulala, là là, la connexion en cours. Non, c'est bon. J'ai toujours peur, parce que vu que j'ai une code merde, j'ai vraiment peur que ça fasse de la merde. Donc attention. Darblast qui cette fois se retrouve totalement dépassé. Va-t-il pouvoir s'en sortir? Il utilise quand même habilement ses soutiens. Et oui, une vague sur Naruto. Que dis-je? Un tsunami sur sa gueule. Et quand même, Darblast a eu chaud sur la fin avec ce mode éveil. Ouais, j'aurais peut-être dû me retenir. Darblast qui avance à la prochaine étape de ce tournoi. T'as quand même un combat, je dirais, qui n'était pas si vif que ça. Les deux adversaires ne se fonçaient pas dessus comme des bourrins, comme moi je pourrais le faire. C'était clairement un beau combat. Donc, maintenant, on passe au prochain duel. Et je crois... Alors attention, je ne sais plus où j'en suis moi dans ce tournoi au niveau de qui affronte qui. Je n'ai pas vraiment regardé. Et c'est à moi. Et c'est à moi. Le troisième combat. Orange Star 3 versus moi, Raven, organisateur de ce tournoi. Et qu'il doit montrer, c'est-à-dire moi, je dois montrer que je suis capable de gagner un combat. C'est mon honneur qui est en jeu, mais dans tous les cas, même si je perds, je vous offrirai un spectacle. J'espère, j'espère. Donc on va voir, normalement c'est l'adversaire qui doit effectuer la sélection. Donc pour l'instant je ne sais pas, il a dû s'endormir. J'espère qu'il se réveillera, non c'est bon. Il est de retour, donc choisis une bonne map, c'est tout ce que j'ai à te dire. Voilà. Donc c'est parti, oh là là. Alors attention, ça va être, voilà, les Hokage d'un côté contre l'équipe, je dirais, Kakashi, Naruto, tout ça. Voilà, je relève mes manches et c'est parti pour le combat. Alors j'espère ne pas me ridiculiser. Hop là. Tu ne mourras pas aussi facilement. Hop là. Oh, il a esquivé mes deux attaques. Oh là. Oh, oh là là. Oh, oh, oh là. Attention. J'essaie de revenir dans cela. C'est pas facile de commenter et d'attaquer en même temps. Voilà. Et bim. Combo. Combo. Oh là, oh là là. Oh non. Ah, oh, dommage. Ah, vraiment dommage. Ah, j'utilise pas assez mes soutiens, moi. Voilà. Hop là, Sai, aide-moi. Hop là, je fonce, mais non. Ah, oh, oh, oh là là. Et bim. Oh, pff. Oh là, oh putain, elle m'a eu dans les airs. Alors ça, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Oh là là, alors là, il me crie carrément une forêt sur la gueule. Histoire de se dire, je vais t'arrêter dans ton élan, Raven. Parce que là, tu commences vraiment à faire chier. Et attention, le combo. Oh putain, il a récupéré toutes ses permutes. Et c'est là que ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer, les amis. Exactement. Alors là, je l'ai Kakashi qui... Oh putain, qui n'a pas pu m'aider. Il a ses soutiens auto.
Attention, revirement total de situation de la part de notre ami Angestar qui... Ah putain, qui montre qui il est. Et oui, c'est pour lui. Magnifique, magnifique finish. Et regardez-moi ça, Mokuton. Et bim. Est-ce que cela va me tuer? Oui. Bien joué pour ce revirement de situation. Dommage pour moi. J'ai fait n'importe quoi sur la fin. Mais bien joué, vraiment bien joué. Bon, et ben voilà. Certains vont rigoler, mais je m'en fiche. J'aurais quand même essayé de bien jouer au début. J'ai quand même pas trop mal joué sur le début. Puis à la fin, bah écoutez, ma foi, hein, c'est les aléas du combat. Hein. Il faut savoir être bon du début à la fin. Voilà ce qu'on peut retenir de ce combat qui était vraiment magnifique. Avec un superbe finish, vraiment. Donc, on passe au quatrième combat maintenant. Quatrième combat. Je ne sais plus qui c'est, je ne sais même plus qui c'est. Ah, qui c'est du moins. Eh bien, c'est l'Assassin. Alors, excuse-moi si je prononce mal ton pseudo. Et Aero Gamers. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, on a Sasuke contre Chika. Shikamaru. Et puis, ben, on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir ce que ça donne. Alors, attention. Quelle sera la map de cet affrontement? Donc, de ce... Bah, disons de la première poule, je dirais. Si on peut dire ça comme ça. Voilà, barrière à 5 sauts. Donc, c'est parti. Alors, voyons voir un peu ces équipes. Oui, très très bonnes équipes. L'équipe, je dirais... Bah, l'équipe Uchiwa, tout simplement. L'équipe Uchiwa d'un côté. Et l'équipe, je dirais... Je sais plus... L'équipe, la combien d'IMC, vous savez, le numéro de l'équipe, je m'en rappelle pas du tout. Mais en tout cas, c'est l'équipe de Chika. Voilà. Donc c'est parti pour ce combat de fou. Ce combat de malade. Oh là là, pour, ça y va dans tous les côtés avec les soutiens. On n'y comprend plus rien. Mais c'est ça qui est bon dans un match Naruto, c'est ça qui est bon. C'est quand on ne comprend rien, oui, c'est ça. C'est exactement ça, les amis. Alors attention. Attention, on va avoir... Oh là là, on a les petits objets ninja que moi, personnellement, je n'utilise pas souvent. Limite jamais dans ce... Dans le combat d'avant, je ne les ai absolument pas utilisés. Donc c'est parti, attention. Oulala, là là, on a Ino qui nous balance des fleurs. Et oh là là, magnifique attaque d'Aero Gamers. Magnifique attaque. Oh là, la Katon, bien posée, hein, qui touche au but, je dirais. Là, on a tous les soutiens qui arrivent de la part de l'Assassin. Et attention, ouh, voilà, qui essaie, qui tente des combos. Et des, oh là, des jutsu aussi en même temps. C'est pas mal. Aero Gamers, qui n'a, oh là, les deux n'ont plus de permute. Alors là, c'est le premier qui attaque. Qui normalement devrait prendre un petit avantage. Et pour l'instant c'est Aero Gamers qui utilise magnifiquement ses soutiens, il faut le dire. Chose que moi je ne fais pas très bien. Oh là, Katon. Katon de Obito. Oh là 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 là. Putain mais. Et Aero Gamers, il met la pression. Il met la pression. Comparé à Darbless qui se l'a joué, je dirais un peu plus. Un peu plus calme. Rarement d'habitude, je le vois pas trop jouer comme ça, en plus Darbless, donc c'est pas mal de devoir changer un peu de stratégie. Oh là, magnifique attaque. Et ça va être Aero Gamers qui devait être jaloux du finish de tout à l'heure sur ma gueule. Donc là il se dit, moi aussi je veux du style. Bouillard, bouillard pour toi Aero Gamers. Magnifique. Oh et tu as un peu mal à l'œil. Donc voilà, c'était beau. Et voilà. Et donc maintenant on arrive au demi-finale. Au demi-finale, attention. Et alors là, là, ça commence à... C'était le hasard au début, c'était le hasard à total, hein, trois fois aléatoire. Donc après, moi, je n'y peux rien. Et pour le reste, je dirais que c'était... Là, maintenant, les demi-finales, c'est là où on voit les personnes qui, je dirais, qui se débrouillent un petit peu plus. Et on devrait avoir des combats de plus en plus, je dirais, magnifiques, grandioses. Donc là, on arrive, on retourne sur nos deux amis, Ratchet Thomas et Darblast. Donc la demi-finale, c'est parti. Mettez-vous joyeusement sur la gueule, si je puis dire ainsi. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne un peu ce combat. Moi, j'ai vraiment hâte de voir un peu. J'ai vraiment hâte. Donc attention. Ils nous ont choisi une petite map sympathique pour un combat qui va être absolument majestueux. Ce n'est pas la finale, mais ça va être un excellent combat. Allez, bonne chance à tous les deux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette demi-finale. Voilà. Allez. Donc, petite connexion en cours, hein, voilà. Et c'est parti, voilà. On a attaqué ce combat. J'espère que nos deux amis se sont remis de leur combat précédent et qu'ils sont à 100% de leur capacité. Oula, attention. On retrouve Ratchet Thomas et son attaque Susanoo qui est absolument dévastatrice, hein, quand on s'y attend pas, finalement.
Et donc là, on a quand même un Sasuke qui veut foncer, hein, il veut foncer. Et là, cette fois, t'as Arblast qui est plus agressif, j'ai l'impression, cette fois, hein, quand même, un petit peu. Oula, oula, attention. Ouf, le brise-garde qui a fait très très mal. On a une espèce de parfum de la part de Karine, super, magnifique, on en avait pas vraiment besoin. Hein. C'est vrai qu'à force de parler, de gueuler dans tous les sens, je pourrais transpirer, mais quand même. Donc, on va quand même plus se concentrer sur ce combat. Alors Darblast qui a récupéré tous ses soutiens, qui a tous ses permutes, Ratchet Thomas qui lui manque, bah voilà, qui n'a plus de Jogo et qui utilise Karine, malheureusement ça ne marche pas très bien. Peut-être une mauvaise utilisation des, je dirais, des soutiens, je ne sais pas, moi je suis pas un expert, hein, attention dans la matière. Donc ensuite, oula, Darblast qui esquive absolument tout, t'es là, un monstre, c'est un monstre ce type les amis, c'est une bête enragée, qui peut vaincre Darblast? Peut-être Ratchet Thomas, rien n'est joué, le combat n'est pas terminé. Surtout les amis, si vous allez participer au prochain tournoi, peut-être encore à d'autres tournois plus tard, n'oubliez pas qu'il faut jouer du mieux possible, du début à la fin, même si vous voyez que les choses se déroulent très très mal. Faites de votre mieux du début à la fin, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc Darblast qui maintenant les soutient auto, hein, donc Ratchet Thomas aussi, hein, je dirais. Donc là, oula, tous les soutiens en même temps. Allez, c'est parti, on est fou, on est des malades. Oh là là, oh, magnifique. Oh, ce renvoi sur Darblast, c'était absolument magnifique. Personne ne l'a vu venir. Ah bah tiens, voilà, il s'est vengé. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Et donc, oh là là. Est-ce qu'on va avoir des modes éveil? Je ne sais pas. Je ne pense pas que Ratchet Thomas ait envie d'utiliser un Susanoo puisqu'il sait qu'il sera en désavantage. Oh là là, dommage. Si cela avait passé, il aurait pu prendre. Il aurait pu, disons, plutôt raccourcir cette avance de Darblast qui, pour l'instant, est dans une avance extrêmement confortable puisqu'il a il reste très peu de vie à notre Ratchet Thomas. Et non, ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas. Et ils essayent de savoir en style. C'est assez intéressant. Ratchet Thomas qui a presque plus de vie. Alors attention à toi. Voilà, il attend quand même d'avoir ses soutiens et c'est normal. Oula, la connexion en cours. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est la connexion? Oui, c'est la connexion en cours finale. Bien joué à Darblast, mais aussi à Ratchet Thomas qui a quand même bien joué. Franchement, bravo. Je dirais 10 sur 20. Et le personnage de Darblast qui continue de se la péter, si je puis dire aussi. Donc voilà, on arrive maintenant. Alors attention, on arrive à la deuxième demi-finale. Et j'ai aussi hâte de voir ce que ça va donner. Puisque... Voilà, non, franchement, je ne sais vraiment pas sur qui donner mon argent, si j'ai envie de parier comme ça, je ne sais pas, parce que pour moi, les deux ont un bon niveau. Angstar qui m'a, je dirais, surpris. Au début, je me suis dit, ah, ça va, je pense que je peux le vaincre et tout, et à la fin, qui m'a carrément annihilé. Franchement, toujours bien joué à toi. Et Aero Gamers, que je connais un peu, qui a un excellent niveau aussi. Il faut pas le sous-estimer. Donc, voilà. Moi j'ai hâte de voir ça. Franchement, bonne chance encore à tous les deux. Je n'arrêterai pas de le dire, mais voilà, c'est tout. Du fair play, et là on en a vu. On en a vu du fair play, et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est parti. Bonne chance. Allez, go! Pour ce combat, bon, connexion en cours, comme d'habitude, je suis désolé, hein, j'ai une cour en mousse, ma foi. C'est comme ça. Allez, en avant! Go! Attention. Qui va lancer les premières grosses attaques? Oh là là! Oh! Oh là, on a Aero Gamers qui... Oula, la connexion en cours. J'espère que ça ne va pas nuire. Non, au combat. Aïe. On a une mauvaise connexion de la part de l'un des deux. Ou de moi, mais je n'espère... Enfin, je pense pas. Ça va être trop de moi. Je n'espère pas, du moins. Parce que là, on est quasiment arrivé à la fin du tournoi. Il nous reste plus que deux combats. Pour savoir qui va affronter cette bête. Ce monstre de Darblast. Angstar ou Aero Gamers. Attention, les amis. Oh là là, une autre attaque bien jouée de la part d'Aero Gamers. Angstar qui veut toujours revenir dans le match, hein, moi je le sais. Donc c'est pour ça que... Oh là là, une troisième même attaque de la part d'Aero Gamers. Attention, ne pas spammer, s'il vous plaît, le fair play. Même s'ils ne m'entendent pas, hein, quand je dis ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que moi je suis d'accord qu'on fasse trois fois la même attaque. Mais tant qu'elles n'est pas, tant qu'elles ne sont pas à intervalles trop rapprochés. Voilà, c'est tout. Que même moi, des fois, il m'arrive de faire 3 Rasengan d'affilée. Mais en général, le troisième n'est pas vraiment voulu. Ne me demandez pas pourquoi, des fois, je fais des attaques que je ne veux pas. Voilà. Donc attention. Angstar qui revient un peu dans ce match-là. Putain. Aero Gamers qui n'arrive pas à creuser l'écart.
qui... Oh là là! Oh, l'argent star qui revient encore à la fin de ce match! Incroyable, incroyable! Oh là là! Est-ce qu'on va assister à la même chose que dans mon combat, c'est-à-dire, je dirais, une victoire sur la fin? Aerogamers qui ne sait plus quoi faire! Il n'a plus de permute, il n'a plus de soutien! Mais il revient encore! Oh là là! Il arrive encore à nous surprendre! Oh là là, oh là là, oh là, là la technique! Non! Elle n'est pas passée, elle n'est pas passée! Mais ça aurait très bien pu. Aerogamers qui reprend toutes ses permutes. Alors là, attention! Oh là là, toutes les permutes aussi pour Angestar! Ça va se jouer vraiment. Alors là, ça se tient dans un mouchoir de poche. C'est vraiment un truc de fou. C'est parti. Oh là là, oh! Non, non. Il s'est protégé, il s'est protégé. Et. Oh oui! Non! Oh, je l'ai pas vu venir celui-là! Je ne l'ai vraiment pas vu venir! Attention, les 1000 oiseaux qui ne sont toujours pas passés. Attention, on a Itachi qui balance des catones. Ouh là là, oh là là, les deux! Les deux! Alors, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Ça se tient à ça! C'est tellement serré! Quel combat de fou! Quel combat de fou! Putain, ça fait vraiment plaisir de voir de tels combats. Vraiment. Donc, attention. Ouh là là, oh là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer en mode éveil? Je ne sais pas. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'ils s'en foutent de passer en éveil. Oh putain, Aerogamers! Aerogamers qui est revenu sur la fin de ce combat achevé, Angestar! Le boulot est fait, voilà! Bien joué à tous les deux! Bien joué, franchement, quel combat de fou! Et là, si vous avez adoré ce combat, alors là, vous allez surkiffer la finale que je vous ai concoctée, qui s'est faite d'elle-même, qui, franchement... Bien joué à vous pour être arrivé jusqu'à la finale. Sachant que moi, mon favori, ça reste Darblast quand même. Moi, je miserai un petit euro sur Darblast, voilà. Mais franchement, bien joué, Angestar. Franchement, mais super. Génial. Franchement, bien joué. Aerogamers qui a un peu flanché au milieu du combat, mais qui a réussi à la fin du combat à revenir. Et franchement, bravo. Bravo. Et c'est parti pour la finale Darblast contre Aerogamers. Est-ce qu'Aerogamers va battre le monstre Darblast ou pas? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Darblast que j'ai quand même réussi à vaincre une fois. Je tiens quand même à le préciser. Hein, je fais une petite parenthèse pendant qu'il y a les chargements, tout ça. Que j'avais quand même réussi à battre en live. Donc pour ceux qui ne me croiraient pas, eh ben, regardez les lives. Tout simplement, regardez mon live sur Twitch. Et puis voilà. Et n'oubliez pas de me follow sur Twitter et de me suivre aussi un peu sur Facebook, voilà, parce que Facebook je suis pas trop, mais voilà, pour savoir si j'organise d'autres tournois comme celui-là. Et c'est parti pour la finale! La finale! Attention! Alors là, ça m'a envoyé du très très lourd, mais vraiment, très clairement. Donc, oh là là, putain, mais ça balance dans tous les sens, et pourtant tous les soutiens n'ont pas été utilisés, comme vous avez pu le voir. C'est incroyable. Darblast qui prend, oh là, qui prend l'avantage, très clairement. Aerogamers qui a déjà plus de permute. Ouh là là, ce combat peut être terminé plus tôt que prévu. Je ne sais pas. Attention, Aerogamers, ne perds pas espoir. Tout à l'heure, tu nous as prouvé que t'as pu te battre jusqu'au bout. Alors là, tu fais pareil. Voilà, c'est tout. Oh là là, mais quel combat, quel combat. Alors, Darblast qui pour l'instant domine. Je pense que là, on peut le dire. On peut le dire qu'il domine franchement bien son adversaire. Mais attention, rien n'est fait. Oh là là, il tente le mode éveil. Attention, là maintenant, il dit adieu à ses soutiens. Oh là là! Oh là là, oh là, il tente une charge contre Darblast. Ça a pas trop mal marché, mais alors là maintenant, il prend ses distances. Je ne sais pas vraiment pourquoi, c'était pour recharger son chakra ou quoi. Attention. Kizame qui lance des requins. Non, ça n'a pas marché. Oh là là, il y a tous les soutiens qui se battent. Là, le mode éveil qui aura franchement tenu tête à Darblast, mais qui ne lui a pas enlevé trop de vie. Putain, si Darblast résiste à un éveil, qu'est-ce que c'est si lui passe en mode éveil? Oh là là, oh là là, une attaque, bim! Oh là là, et Kizame qui enchaîne sur le soutien auto tout simplement. Attention, oh là là, oh là là! On a Obito qui a lancé une catone. Attention, oh dommage, dommage, ça n'a pas marché! Et oh là là, un tout petit peu de vie au gamer, c'est non, il n'aura pas le temps de s'en remettre! Il n'aura pas le temps de s'en remettre et c'est la fin, c'est déjà la fin! De ce tournoi, Darblast, mon favori, mon champion, mon poulain, qui gagne. Mais franchement, bien joué à tous. Bien joué à tous. Je retiens évidemment vos idées. Et si jamais il manque des gens pour le deuxième tournoi, si jamais il manque des gens pour le deuxième tournoi, je prendrai des gens de ce tournoi-là. Voilà. En tout cas, bien joué à tous, vous nous avez offert un très beau spectacle, et rien que pour ça, je vous donne un gros BOUYAH!
Bravo! Bravo à tous! Et bien voilà, Darblast qui arrive à battre AeroGamers et qui se hisse et qui gagne un petit trophée. Voilà, un petit trophée. Et bien joué! Félicitations, Darblast! Tu gagnes du thon et des rillettes. Voilà, super! Et puis un superbe trophée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo tournoi Naruto. Donc je referai la même chose. Je donnerai donc la date et l'heure plus précisément. Donc je pense que ce sera... Donc le temps que la vidéo sorte, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Mais en tout cas, bien joué à tous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Hein, ce serait sympa. Comment vous avez trouvé le tournoi. Et surtout, si vous voulez participer, donnez vos idées. Très important. Que je vais pas vous courir après. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde à la prochaine. Salut. And don't forget to taste the booyah! Bien joué à Darblast, bien joué. Bravo.